23 octobre 2015, nous sommes dans les vignobles de M. Terzariol à Saint-Sulpice-des-Pommiers. Présentation de notre pulvérisateur version tunnel que nous fabriquons depuis un quart de siècle, attelé au tracteur prêté par M. Ludovic Duclou. Je me répète, nous sommes donc constructeurs d'atomiseurs tunnel depuis un quart de siècle. Nous avons fait donc une nouvelle version de ce matériel, identique à ce que nous faisions. En différence, la cellule est attelée en trois points au tracteur pour permettre au réservoir de suivre mieux le passage du tracteur et de pouvoir entrer correctement tous les deux rangs de vignes à 2 mètres. C'est une version deux rangs complets de vignes de 2 à 3 mètres que nous présentons avec les extensions indépendantes des panneaux intérieurs, aussi bien droit que gauche, également des panneaux extérieurs, aussi bien droit que gauche, et également les relevages indépendants des deux tunnels. Ceci avec des électrodistributeurs. Les parties métalliques supportant la rampe ont profité d'une galvanisation à chaud avant d'un recouvrement de peinture époxy. Ce matériel peut également être utilisé en version pneumatique. En pneumatique, c'est la vitesse d'air qui fait l'éclatement de gouttes plus fines, plus volatiles. En jet porté, c'est la buse, donc buse albus, buse ATR française en céramique que nous équipons nos pulvérisateurs. Essieu bogie pour assurer la stabilité optimale. Nous avons vu qu'à 7 km à l'heure sur des terrains plats, certes, mais on ne retrouve aucun balancement du matériel. Il y a en option, pour connaître son débit exact, un contrôleur de débit avec deux débitmètres, nous indiquant 1. Le débit pulvérisé, 2. Le débit récupéré, ce qui nous indiquera avec exactitude le débit restant sur la végétation. Et également en option, on peut avoir un programme pour régler différentes largeurs. Quand nous aurons besoin de faire un mouvement pour éviter un obstacle, en remettant l'interrupteur à sa position, le panneau se replacera comme on l'avait programmé préalablement. La cellule d'homme permet de travailler avec une transmission en ligne. Il n'y aura aucune surveillance à apporter à la transmission primaire et la pompe est entraînée hydrauliquement.